Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors pardon, excuse-moi Céline, tu fais quoi là? Je dis bonjour à mes abonnés, je commence une vidéo. Oui, alors non, pardon, c'est gentil, mais moi là ça me donne pas envie de... De regarder? Non, je pense qu'il y a plein de trucs que tu peux faire. Ouais. Et qui sont pas grand chose. Je sais pas si t'as lu mon livre en fait. Ah, tu veux dire celui-là? Oh, c'est incroyable. Ouais, et là-dedans il y a des super conseils pour réussir. Tu veux parler de 50 conseils pour réussir dans l'univers impitoyable du blog? Je veux parler de 50 conseils pour réussir dans l'univers impitoyable du blog. De Boobs and the Gang? Ouais. Tu es Boobs? La Boobs d'ici est la même Boobs que celle-ci? Aussi, ici. Tu es censé donc pouvoir me donner de véritables conseils. Tout pour à fait. Améliorer. Je suis, moi, tu sais, nous on a quand même 260 abonnés sur notre YouTube. Ah ouais. Donc je vais te dire que ça marche vachement. Dans cette page, par exemple, 10 conseils pour avoir du succès, on peut te donner des trucs. Par exemple, il faut que tu parles en hey. La fierté, l'amitié, des trucs comme ça. Est-ce que tu peux... J'okay. Voilà. Tu vois, tu peux donner un petit surnom affectueux. Ta communauté, t'as une commu. T'as ta commu. J'ai une commu. T'as ta commu. Comment elle s'appelle ta commu? Et ouais. Et si tu vois, c'est là qu'il y a des... Ouais, bah ouais. Non mais c'est pas grave, ça se trouve. Hein. Olinskoff. Coucou les Olinskoff. Non. Ça fait un peu pâté pour chat, non? Oui. Genre... Ça fait un peu un truc avec de la vodka dedans. Ouais, bah c'est pour les chats russes. Hey, les Célinoutes. Ok. Vas-y, plus... Ouais, alors attends. Hello les Célinoutes, aujourd'hui fierté, j'ai la super blogueuse Boobs and the Gang, juste Boobs, mais c'est déjà super, on est way. Bah c'est vachement bien. C'est vrai, je commence à progresser. Oh, mais c'était vachement... Oh, je suis un petit peu ton padawan. Coucou les padawanos. On est avec Célinoute. Je suis dans un progrès, je crois. T'es dans un progrès. Hashtag progress. Progress. Comment s'appelle ta chaîne? D'un coup, la chaîne, elle s'appelle Céline H. Ah ouais. Alors, dans le livre, tu peux justement... Voilà. Formidable. Je peux trouver un nom de blog. Ce qui fait que moi, qui suis née le 18 août, donc 18 macaron, août, make my. Donc c'est make my macaron. Bon, je vais rebaptiser ma chaîne. Et tu pourras dire coucou les macaronos. C'est parfait. Comment s'appelle ton chat? Il s'appelle Tamalo et il est né le 15 février. 15. Syndrome prémenstruel. Is the new black. Est-ce que Tamalo, ça Tamalou, ça marche? Boobs, oui. Comme t'es quand même dans la tendance, t'es in, tu vois, tu surfes sur la blogosphère. Évidemment, bien sûr. Est-ce que tu parles également en émoticône? Évidemment, je parle en émoticône, bien sûr. Tu maîtrises l'émoticône? Je maîtrise l'émoticône. D'ailleurs, il y en a des nouveaux, t'as vu? Il y a le ravioli, qui manquait, le ravioli. Le ravioli, c'est vrai que dans la communication... Ça manquait. Est-ce que tu peux d'ailleurs m'expliquer l'aubergine? Ça veut dire la grosse teub. C'est vrai? Arrête. Tu sais pas? Tu savais pas? Et les pêches, ça veut dire le cul. Non, c'est vrai? Mais enfin, c'est... Tu te fous de ma gueule. Non, je... Je te jure, c'est vrai. Quand on voit une aubergine... Bah, ça veut... C'est une teub. Céline, mais t'as quel âge? Au-delà de 45 ans, on sait pas ça, mais en dessous, on sait normalement. Mais non, tu te fous de ma gueule. Je te jure, c'est vrai. Mais c'est pas possible, Céline, de ne pas savoir ça. Mais pourquoi? T'as jamais envoyé d'aubergine à personne? Bah, si, mais... Mais à ta mère. J'ai déjà envoyé des aubergines parce que je trouvais ça rigolo, mais j'ai jamais su le sens d'une aubergine et je me suis toujours interrogée. Mais le nombre de quiproquos que j'ai dû créer. T'imagines? Marine, je t'ai notamment invitée, ouais, parce que j'avais envie de jouer avec toi à ce jeu, l'Emoticon Challenge, qui est un jeu très rigolo parce qu'en fait il s'agit de trouver des titres de séries, des titres de films via des émoticônes. Ok, très bien. Hashtag blague, hashtag joke. Marine, est-ce que tu es d'accord pour qu'on commence avec les films? Allez, le numéro 16, essaye de trouver quel est le titre du film. Oh, je l'ai pas vu, mais c'est le film, et je crois que c'est le film avec... Brad Pitt et Angelina Jolie, là, tu sais, Mr. and Miss... Mr. and Mrs. Smith, ouais. Oh, boobs, il y a du level. Le numéro 17. J'arrive même pas déjà à reconnaître cette émotion. Il y a un point, un italien et un truc qui ressemble à un rat, mais... Peut-être que tu peux juste te contenter des deux premiers. Il y a un point comme ça, point, point, point. Ça révolutionne. J'en sais rien, je sais pas. Je te le donne? Ouais. C'était Rocky. Ah, bah j'ai pas vu, moi. Mais quel rapport avec l'Italie? Parce qu'il est italien dans le film. Sylvester Stallone? Dans le film. Allez, tu me fais le 19. Des jetons, une bague, du champagne, de l'alcool, un tigre. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, si, tu sais, c'est les trois mecs avec le bébé là devant, comment ça s'appelle? Oui. Ah oui, Very Bad Trip. Ouais. Oh, Marine Baousson, tu es particulièrement forte. C'est gentil de dire ça. Ça m'égasse un petit peu. Je te propose le... Mais comment ça, tu joues pas toi? Si. Ah bah voilà, tu vas prendre celui-là. Alors, j'ai un œil, j'ai un tigre. C'est pas l'œil du tigre. Si. Rocky 3, l'œil du tigre. Le 48, un cochon, un panneau directionnel, un petit fleuve, une petite prairie, une biquette. C'est important de choisir des mots, parce qu'elle aurait pu dire une chèvre, non. Elle a choisi le mot biquette.
C'est pas Babe? Si, c'est Babe. C'est Babe. Le cochon devenu berger. Je te mets un chrono. Ah, elle me met un chrono. On challenge la partie. T'as 30 secondes pour découvrir les deux prochains. Ils sont faciles. 1, 2, 3. Ghostbusters. Ouais. Et... Ah, une boîte de chocolat, Forrest Gump. Ok, t'as trouvé en 7-8 secondes. Plus dur, on passe aux séries. C'est une série que j'affectionne beaucoup. Je te demande de trouver celle-ci. Ah, c'est Charmed. Oui. Attends, un œil très chelou. Bonne série. Ah, Black Mirror. Oui. J'ai jamais vu Black Mirror en plus. Mais enfin. J'ai continué, ça m'amuse son jeu. Ah. Facile, je te donne toutes mes différences. 3 secondes. Top, la 21. X-Files. Ouais. La 10. La 10, c'est Friends. Ouais. Ouais. La 11. La 11, une Orange is the New Black. Yeah, baby. La 14. Some people. Alerte à Malibu. Oui, c'est ça. Viens, on fait le. Marine, c'était formidable. Merci, c'est une hache. Vous avez un compte Instagram. Oui, c'est surtout qui ça. Qui cartonne. Hyper drôle, donc on y va, on le suit. Oui. Boobs and the Gang. Et vous avez une chaîne YouTube que vous venez d'ouvrir. Qui est toute petite, qui est toute minuscule. J'ai 3 vidéos dessus. Mais un jour, il y en aura plus. Parce qu'on en a fait plus en fait. Mais on va les mettre là. Je pense qu'en suivant nos propres conseils, peut-être que ça va marcher. Exactement. Tu crois pas? Bah, lis ton livre. Bah, à l'occasion. Allez checker la chaîne, allez checker le Instagram. Okay. Allez, bisous. Bisous.